course. Alors que le coup de droit vient d'être donné là avec Thiesson. Thiesson directement un long ballon là en profondeur, ce sera pour Salizar. Salizar qui se dégage la tête. L'arbitre qui donne le coup d'envoi de son coup franc à l'instant avec Stevanovic qui s'élance. Ce sera pour Fournier. Fournier la frappe et belle parade. La allez, allez. Pas fini et hors jeu. Il était en jeu. Hors jeu de Rouillet, il me semble, qui a repris ce ballon. Mais belle occasion. La première, disons, vrai danger dans la surface saint-galloise du FC Harpersville. Et voilà, on espère que le match va commencer un peu à sujet. Des affiches qui communiquaient sur la promotion de Servette, c'est plutôt pas mal. Antunes avec le 1-2, Antunes la frappe. Malheureusement, un petit peu trop dévissée, prise trop de l'expérience. Cogna qui cherche des solutions, Cogna qui centre, c'est pour Follonier. Follonier qui a personne, il se retourne. Chagas maintenant en position de la balle de 16 mètres pour Stevanovic. Il a une frappe, oh, il enroule et ça passe juste au-dessus. Enfin, juste au-dessus, un petit peu beaucoup au-dessus, mais. C'était bien tenté. Je pense qu'elle devait être 4 mètres au-dessus, mais oui. Effectivement. Ouais, qui est de 2000. Voilà, il est de 2000. Avec Sautier sur le côté droit. Sautier en centre. Il y a une tête de Chagas. Stevanovic. Et la parade de Jans. Une tête un petit peu bizarre de Stevanovic. Est-ce qu'il va avoir Cognac? C'est pour Cognac maintenant avec Follonier. Follonier qui dribble un joueur. Follonier qui s'emmène le ballon. Follonier en centre. C'est pour Stevanovic. C'est bien joué. Stevanovic, la tête. Et go! Et go de Stevanovic! C'est incroyable la qualité de centre là, de Follonier sur ce but. Et la tête parfaite de Stevanovic qui peut fixer le gardien Jans. Et ça fait 1-0 ici pour les Grenats. Comme face à Lausanne, Stevanovic récidive. Il veut terminer meilleur buteur du club cette saison. Voilà, c'est son objectif sur cette fin de, championnat. C'est Follonier sur le côté gauche qui est en position du ballon. Follonier un long ballon. Magnifique ballon. De Cognac, c'est bien joué, il est bien dosé. Cognac un centre, c'est pour Miroslav Stevanovic, la tête. Et go! Et go! Et encore une fois, Miroslav Stevanovic qui vient placer sa tête. On avait cru d'abord que le gardien Jans avait pu s'interposer, avait pu prendre le ballon, mais finalement il le relâche. Et le ballon rentre dans le goal, ça fait 2-0 pour les Grenats. Et le petit prince de la Praille qui frappe encore ici face à Rapperswil. Un magnifique ballon pour Cognac. Côté Rapperswil, il s'agit de Recepi et de l'ancien Servette. Tiens, la promotion des Grenats a dû lui faire plaisir. Lui qui a fêté celle de 2011, Stéphane Natter. Cespedes qui va armer une frappe à la frappe. Et goal! Et goal! Quel but de Cespedes! Une mine du pied droit, rien à faire pour Jans. Et ça fait 3-0 pour le Servette FC à la 49e minute de jeu. Mais quelle bombe de Maurice Cespedes! Et oui, là, il est allé à chercher celle-là. Il a vraiment. En 6-7 minutes des Servettiens, sur demi-temps, on est d'accord, mais voilà. Avec ce ballon pour Cespedes, le centre de Cespedes, il y a Rouillet, sa tête de Rouillet. Et goal! Quel goal de Rouillet! Quelle élévation, pardon, de Rouillet qui a fait une tête imparable pour Jans. Il avait un trou de souris et il l'a trouvé. Ça fait 4-0. 53e minute, le 4e pour Servette. Ça continue, hein, on enchaîne les buts. Ça fait depuis la 43e que les Servettiens n'arrivent plus à s'arrêter. Il continue de sol, il fait une passe malheureusement un peu trop longue là pour Cognac, mais c'est pas fini. Cognac dans à hauteur de 16 mètres. Cognac, est-ce qu'il va le rouler? Il enroule, c'est un centre, c'est pour Stevanovic. Allez la tête. Ouh, elle passe juste à côté cette tête de Stevanovic. C'était très bien joué, un très bon centre là de Cognac et Stevanovic qui s'est aussi fuir. Nader qui franchit les 16 mètres actuellement, qui a pu jouer son côté gauche avec deux Saint-Gallois. Attention là, il y a un joueur qui part de 16 mètres, c'est du 3 contre 3, attention, un centre, Itzol, et goal. Ce sera goal là de Aldin Tourkes qui était vraiment esselé. Là on a senti un peu de relâchement là dans la défense servétienne. Il y avait en tout cas trois joueurs de Rapperswil qui étaient seuls au second poteau. Et c'est Tourkes qui peut conclure cette occasion, c'est dommage, mais bon, les visiteurs qui sauvent donc l'honneur ici au stade de Genève. Oui, un petit peu de relâchement, c'est compréhensible bien évidemment, mais bon. Voilà, c'est un petit peu logique avec Chagas qui récupère ce ballon et Chagas pour le 5ème. Chagas! Oh le poteau incroyable! Quelle frappe de Chagas qui s'est passé, n'avait pas trop croisé sa frappe. Et cette frappe qui touche le poteau malheureusement. On a un instant cru au poteau rentrant, mais malheureusement c'est un poteau sortant, le ballon est revenu d'où il était venu. Et donc on en reste toujours à 4-1 avec Rapperswil qui a pu donc se dégager. Des 18 vraiment. Et donc voilà, avec ce ballon pour Koné pour son premier ballon, Koné qui va se retourner, Koné il va la mettre pour Antunes à revenir sur Doua dans la surface, Doua pour Cespedes. Oh, c'est la claquette de Jans, la belle claquette de Jans qui sauve ce ballon. Alors t'as vu la latte? Moi j'ai. Ouais, c'est la latte. Ouais, c'est la latte. De confondre avec ça, mais c'est pas fini avec le coup franc qui est tiré maintenant. C'est sur quoi de doigt pour Chagas. Ça t'a dit go! Quel retourné de
Chagas qui place la balle idéalement là-haut en la croisant. Et Jans ne peut rien faire, ça fait 5-1 pour les Servetiens. Chagas qui met fin au signe indien et qui marque son premier but de la saison en tant que titulaire avec le Servette FC. Mitchell, c'est le Brésil. Mitchell a marqué. Et donc Servette très bien joué. Fellaini, est-ce qu'il va dribbler? Non, il a tenté un dribble, malheureusement ce n'est pas passé. Et le ballon reste parce que là il y a un coup de favorable pour Imery. La frappe d'Imery direct est relâché. Oh, il était là, pas là. C'était Chagas qui a manqué son essai face à Jans. Et il y a une faute qui est sifflée sur un joueur, enfin contre Servette. Et donc ça fera un dégagement pour les Saint-Gallois. Avec le haut de sa chaussure, et en fait il s'est un petit peu fait mal. Il a fait mal aussi au joueur parce que je pense qu'il n'a pas beaucoup dû toucher le ballon. Attention avec Turquesse dans la surface d'opération. Turquesse face à Kassoumboua et c'est but de Turquesse. Kassoumboua, là pour le coup, il n'est pas tout blond non plus sur cette affaire là. Bon, il est pas non plus aidé par sa défense ce coup là. Il n'est pas du tout aidé par sa défense parce que Turquesse effectivement se retrouve totalement seul dans la surface. Mais il était quand même dans un angle assez fermé et il arrive à marquer. Qui est vraiment prodigieuse, mais il perd le ballon et Rapperty va pouvoir passer en contre-attaque alors que Turquesse est largement hors jeu. Turquesse qui rentre dans la surface de réparation, Turquesse face à Mfoui, Turquesse qui frappe et la belle parade de Kassoumboua. Mais là, alors là, sur le coup, il me semble quand même, alors l'arbitre de touche avait beaucoup de retard sur le coup, mais enfin, si il courait en fait dans l'action, mais il me semble que Jens, lors du dernier match, long ballon pour Chagas qui n'est absolument pas hors jeu, il est couvert par un défenseur. De rappeur vite, Chagas pour Fellaini. Fellaini dans la surface de réparation. Fellaini, il y a Koné au sol, au centre. Koné, oh non, il y avait beaucoup mieux à faire là pour Koro Koné. Il pouvait contrôler, il était tout seul dans cette surface de réparation. Il a préféré reprendre tout de suite cette offrande. Sagalo là qui veut aller chercher ce troisième but avec Koubi notamment. Koubi s'est bien joué là pour Texera. La frappe de Texera et le goal. Et le goal. Goal de Texera là. Incompréhension là dans la défense servétienne, une frappe qui paraissait pourtant anodine mais qui finit dans les filets de Kassoumboua et ça fait donc 5-3. Au final très joli goal là, petite frappe enroulée qui payait pas de mine et c'est goal. Il me semble qu'elle est quand même déviée là pour le coup par un. Un peu d'espace sur le côté gauche et bien pris par deux joueurs. Attention, Follonier, il s'emmène le ballon, c'est très bien joué de Follonier pour Koro Koné, une évasion pour Wüthrich, la frappe de Wüthrich, oh dommage. Quelle combinaison là des trois arrivés. Aux 3 minutes de temps additionnel, qu'est-ce que dit monsieur l'arbitre? Voilà, c'est fait. Fin du match ici à la Praille et victoire du Servette Football Club. 5-3 face au FC Rapperswil Yonah. Des buts marqués par Stefanovic deux fois pour les Servettiens. Également Chagas, Cespedes et Rouillet se sont mêlés à la fête pour une belle victoire 5-3 des Servettiens ce soir.